On a le sentiment de faire plus ou moins ce qu'il faut, d'être bon dans l'utilisation du ballon et puis de pêcher dans l'efficacité, que ce soit offensivement et défensivement. Donc, je pense beaucoup de déception et de frustration ce soir. On a fait une bonne entame de match. Je pense qu'on a existé pendant cette entame de match. On a fait plus que concurrencer avec Montpellier. Et oui, on prend un but sur coup de pied arrêté, donc c'est toujours frustrant. Et on sait très bien que dans les matchs comme ça, les coups de pied arrêtés sont très importants et décantent souvent les situations. Et là, ça a été le cas. Après, ça nous a pas abattus. Voilà. Enfin, je pense pas. On est quand même reparti de l'avant. On s'est créé des situations et malheureusement, on n'a pas su mettre ce but pour égaliser déjà dans un premier temps. Donc c'est frustrant. Ouais. Ça se complique. On savait très bien que sur les deux matchs à domicile, fallait prendre des points. Le coach nous avait prévenu et on n'a pas su prendre ces points. Donc ça commence à devenir urgent. Ouais. Même si on n'est qu'à la 6e journée, et les points qu'on laisse en route, on ne les rattrapera pas. Il va falloir se mettre le cul par terre et aller chercher les points. Mais on aurait pu les prendre aussi ce soir, la semaine dernière, et voilà, on ne l'a pas fait. Donc là, plus que des mots, il va falloir mettre des actes.